Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve pour la suite de Siberia to World Before. Les trois premiers, vous pouvez les trouver entre autres sur ma chaîne aussi d'ailleurs. Ouais, et je voulais vous dire, désolé parce que j'ai dû uploader les versions PS5 parce que les versions PC, j'ai eu un petit souci pour les capturer correctement. Donc, tant pis, on fera les versions PS5, hein. C'est mon logiciel de capture PC qui a un petit souci, donc voilà. Voilà, donc on se retrouve sur Siberia, donc c'est le quatrième volet hein, du regretté Benoît Sokal. Voilà, moi bon, c'est une bonne série que j'aime bien. Voilà, je voulais remercier aussi les derniers, et les autres aussi d'ailleurs, tous les abonnés, hein, les nouveaux, les anciens. Voilà, donc je vais réuploader aussi Baldur's Gate 1, mais ce sera la version PS5, enfin PS4, mais sur PS5, comme j'ai eu des petits soucis de capture. Allez, bonne vidéo à tous, je vous dis à bientôt, ciao ciao. Félicitations Dana ma chérie, je suis tellement fière de ton concert sur la place de l'Académie de Musique. Nous trouverons un joli cadre pour ton diplôme. Merci, mère. Quand tu auras terminé ton cursus à l'Académie de musique l'année prochaine, tu pourras aller continuer tes études supérieures au Conservatoire de Paris. N'est-ce pas, Anton? Bien sûr, bien sûr. Ensuite, ma chérie, tu deviendras une grande pianiste concertiste. Tu nous rends si fiers, n'est-ce pas, Anton? Bien sûr, bien sûr. Si fière. J'ai très envie de devenir une grande pianiste, mais l'idée de vous laisser papa, toi et la maison pour aller au Conservatoire de Paris, ça ne m'enchante pas vraiment. Il n'est peut-être pas plus mal que tu t'éloignes quelque temps de Wagen. Les temps sont durs en ce moment pour les gens comme nous. Je m'inquiète toujours pour ta santé, tu sais. Heureusement que Herr Gustav a accepté de t'employer au refuge de montagne cet été. Oh, oui. L'air de la montagne te fera le plus grand bien, ma chérie. Au fait, as-tu écrit à Herr Gustav pour le remercier? Eh bien, j'ai été très occupée à répéter pour le concert. Ce brave homme te propose du travail, Dana. Le remercier est la moindre des choses. Oui, mère, je m'en occupe tout de suite. Herr Gustav, mon futur employeur. Grâce à ce travail d'été, je vais pouvoir aider papa à payer une autre année d'études à l'Académie de musique. Le diplôme que Frau Beckmann m'a remis après mon concert sur la place musicale. Heureusement qu'elle n'a pas mentionné que j'ai failli arriver en retard. Je pense que tu auras besoin d'un stylo pour cette lettre, ma chérie. Je devrais les ranger avant de les perdre, même si je connais le morceau par cœur maintenant. L'hymne de Wagen, mon concerto préféré.
Je pourrais peut-être m'en servir pour écrire ma lettre à Herr Gustav. C'est coincé. Papa devrait vraiment faire un peu de rangement. N'oublie pas de te montrer très poli envers Herr Gustav. Papa, est-ce que ton stylo est quelque part par ici ? Oui, ça se pourrait bien. Des automates Vorarlberg. Ces machines sont incroyables. Bon, tout cela est très intéressant, mais je dois m'occuper de cette lettre, ou maman va finir par se fâcher. Pas de stylo ici. Le stylo de papa. Parfait. Papa est tellement désordonné. Dana, mon chou, je suis occupée. Rena, j'aimerais vous remercier pour... Non, 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 Dana, c'est trop dangereux. Oh, mais qu'est-ce que... Qui peut faire une chose pareille? Pourquoi s'acharner sur nous, sans raison? Dana, ma chérie. Non, non, donne-moi ça, s'il te plaît. Oh, mon Dieu. Qu'y a-t-il d'écrit, père ? Ce n'est rien, Dana. Rien que de la haine. Nous laisserons-ils tranquilles un jour ? Allons, Lena, ma chérie. Hé, allons ! Regarde-moi. Ne te laisse pas abattre, d'accord ? Ou sinon, nous finirons tous les deux avec Dana. Dégagez d'ici, sale Vagueron. C'est horrible.